أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Permettez-moi aujourd'hui d'essayer d'être un membre de votre famille et d'essayer de faire exactement ce que symbolise cette image, c'est-à-dire essayer de connecter nos cerveaux. Mais au-delà d'essayer de connecter nos cerveaux et de partager des informations, ce que j'aimerais vraiment, c'est vraiment d'essayer de créer un espace d'intimité, c'est-à-dire de partager des informations, mais de créer un espace d'intimité en vous posant des questions, on ne peut plus privé. Vous n'y répondrez pas, vous le penserez à l'intérieur de votre cœur. Vous est-il déjà arrivé de perdre un être cher en ayant l'impression que la vie s'arrêtait? Peut-être êtes-vous allé dormir et puis le matin vous vous êtes réveillé en ayant cette impression d'être paralysé. Mais combien d'entre vous ont pensé à ce que Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Peut-être certains ont vécu des échecs douloureux et ont eu cette impression que plus jamais la réussite ne sera à portée de main. Mais combien d'entre vous ont pensé à ce que Socrate disait des siècles passés, l'échec, ce n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. Se relever, rebondir après un traumatisme, c'est ce qu'on appelle le phénomène de résilience, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à rebondir après un choc, un traumatisme. Mais lorsqu'on parle de traumatisme, ce n'est pas simplement la perte d'un être cher, ce n'est pas simplement un deuil, ce n'est pas simplement une séparation par la mort, ce peut être une séparation par la vie, l'abandon de parents, un divorce ou la trahison d'un ami, ou simplement la perte et l'échec, mais le fait de se relever après un échec, comme il le disait Lao Tzu, peut finalement être le fondement de la réussite. Mais comment est-ce qu'une phrase aussi philosophique peut avoir des bases scientifiques? Comment est-ce que les neurosciences ont pu mettre en évidence qu'effectivement, il pouvait y avoir un bénéfice à éprouver de la tristesse, à éprouver de la peine, à éprouver de la souffrance? C'est simple. Pendant 20 siècles, on a pensé que les cellules du cerveau, c'est-à-dire les cellules qui sont visualisées ici, étaient les seules cellules de l'organisme qui ne pouvaient pas se multiplier. Or, on a prouvé ces 20 dernières années que non seulement on était toujours capable de produire de nouveaux neurones, mais en plus de cela, on était capable de les produire à des moments particuliers de la vie lorsqu'on éprouvait des émotions intenses. C'est-à-dire que la zone où il a été mis en évidence qu'il y avait le plus de production de neurones après les premières années de la vie, c'est-à-dire à peu près jusqu'à l'âge de 6 ans, sont les moments où on éprouve des émotions intenses, et c'est effectivement dans cette zone-là du cerveau, le système limbique qui gère les émotions, où il y a le plus de production de neurones. Mais comment est-ce que les chercheurs ont pu mettre ceci en évidence? Alors c'est simple. Enfin, c'est simple de le dire maintenant, mais c'était compliqué à la base de le mettre en évidence. Chaque expérience est précédée par une intuition. Et si on fait l'expérience, mais on ne va pas vraiment la faire parce que ça peut être dangereux, mais si on plantait un couteau dans une main, au moment où le couteau pénètre à l'intérieur de cette main, vous n'avez pas mal en réalité. Parce qu'au moment où vous plantez le couteau à l'intérieur de votre main, vous êtes en train de sectionner un nerf sensitif. C'est-à-dire que vous êtes en train de couper un nerf qui éprouve, qui sent, qui ressent la douleur. Or, qu'est-ce qu'il se passe quelques secondes plus tard? Quelques instants plus tard, vous éprouvez à nouveau de la douleur. Parce qu'en fait, de nouvelles fibres nerveuses ont été mobilisées par votre organisme à cet endroit-là parce que vous en aviez besoin. Donc, les scientifiques, les chercheurs, se sont posé cette question-là. Comment se fait-il qu'au niveau périphérique, au niveau de mes mains, les fibres nerveuses, qui sont des cellules qui sont comparables à celles qui se passent au niveau central, au niveau de notre cerveau, elles pourraient se multiplier à d'autres moments de la vie et à l'intérieur de mon cerveau, ça ne pourrait pas être le cas? Alors les chercheurs ont continué effectivement dans cette voie-là et une deuxième intuition ont traversé leurs esprits. Lorsque vous étiez enfant et que vous étiez dans le ventre de votre maman, vous étiez dans de l'eau. Étant donné que vous étiez dans du liquide, vous aviez besoin de nager. Et comme vous nagiez, vous aviez besoin de palmes au niveau des mains et au niveau des pieds. Et je pense que dans cette salle, plus personne n'a de palmes. C'est tout simplement parce qu'en fait, l'espace qui était entre vos doigts a disparu. Les cellules qui composaient l'espace entre vos doigts est parti. Parce que ces cellules-là savaient le jour où elles sont arrivées qu'il y avait un moment donné qu'il fallait qu'elles partent. Elles étaient auto-programmées à leur destruction. C'est ce qu'on appelle le suicide cellulaire ou encore l'apoptose. L'apoptose, c'est le fait que la cellule meurt, elle se suicide. Les chercheurs se sont donc posé la question, comment se fait-il qu'une cellule dont mon organisme n'aurait plus besoin est amenée à disparaître et une cellule dont j'aurais besoin ne pourrait pas apparaître? Or, quelles sont les situations de la vie où on a le plus besoin de produire de nouveaux neurones, si ce n'est devant certaines épreuves, si ce n'est devant
devant de nouveaux obstacles, tout simplement parce qu'il faut s'adapter à de nouvelles situations. Il faut que psychologiquement, on puisse être capable de trouver de nouvelles pistes pour se relever. Il faut produire de nouveaux neurones à ce moment-là. Il faut produire de nouveaux neurones à ce moment-là, à ce moment précis. Donc quand aujourd'hui on vous dit qu'on va supprimer la souffrance de votre vie, c'est une terrible erreur. Personne ne vient dans cette vie sans souffrance. Même le bébé, sa première respiration, le moment où l'air pénètre à l'intérieur de ses voies respiratoires, c'est perçu par l'enfant comme un danger de mort imminent. Au moment où il arrive dans cette vie, il y vient avec de la souffrance. Et pourtant, c'est perçu comme, par l'ensemble de l'équipe soignante comme étant un signe de survie. Comme étant un signe de survie. La vie, la souffrance fait partie de la vie. Et celui qui n'a pas souffert n'a pas vécu. Celui qui n'a pas souffert n'a véritablement pas vécu. Et lorsqu'on fait des expériences sur des personnes qui ont fait des accidents de la route et qui ont eu leur cerveau lésé, lorsqu'on prend en photographie leur cerveau et qu'on fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'imagerie fonctionnelle du cerveau, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe à un certain moment d'activité du cerveau et qu'on se rend compte que la zone lésée, lorsque la zone lésée est le système limbique, c'est-à-dire le cerveau qui gère les émotions, on se rend compte qu'à ce moment-là, ces personnes-là ne sont plus capables d'éprouver la moindre émotion. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles regardent leur passé comme leur futur d'une façon totalement neutre et indifférente. Elles ne sont plus capables d'éprouver la moindre émotion. Et vous savez ce qu'elles vous disent, ces personnes-là ? Je regrettais le jour où j'éprouvais de la souffrance. Parce qu'en fait, ça faisait de moi un être humain. Et ce n'est pas un hasard si dans nos invocations, on demande à Dieu « Allahumma inni a'udu bika min qalbin la yakhsha wa 'aynin la tadma ». Parce qu'en fait, il y a dans notre capacité à éprouver des émotions, notre humanité. C'est dans notre humanité réside dans notre capacité à éprouver des émotions. Ça veut dire que l'émotion n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait qui compte. Mais quel est l'exemple, le plus bel exemple qu'on puisse avoir, nous, dans nos sources, dans le Coran, qui est la preuve même de l'épreuve, de la patience devant l'épreuve, si ce n'est Ayyoub alayhi salam, qui est connu sous le nom de Job dans la Bible. Lorsqu'il dit cette magnifique invocation, lorsque tous les êtres le lâchent, lorsque plus personne ne reste autour de lui, vous savez ce qu'il dit ? Est-ce que vous vous rendez compte de la force de l'invocation avec laquelle il se retourne vers Dieu ? Il lui dit « Anni massani dhur wa anta arhamar rahimin » Mon Dieu, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et qu'est-ce qu'il fait dans la première partie du verset ? Le mal m'a touché, je reconnais ma faiblesse devant Dieu, je reconnais que j'ai des failles, j'intellectualise mon émotion, c'est-à-dire que je suis en train de comprendre ce qui se passe véritablement. Et c'est exactement ce que me racontait une psychologue clinicienne qui me racontait qu'elle suivait une petite enfant en psychothérapie et que cette petite enfant, au bout de quelques séances, elle lui dit « En fait, j'ai compris ce que je dois faire. Ma maman, elle était là et maintenant, il faut que je la mette là. » C'est-à-dire que la tristesse, la souffrance que j'éprouve en pensant que plus jamais je ne pourrai voir ma mère physiquement, je comprends intellectuellement que ma mère sera toujours là par les souvenirs, par ses enseignements, par sa façon dont elle m'a éduquée. Je sais qu'un jour peut-être je la reverrai. Comprendre et faire ce mécanisme-là de compréhension, de transformer son émotion en intellectualisant l'émotion est fondamental, même en psychologie. Même en psychologie, c'est fondamental. Mais regardez la force du verset lorsque... Juste après, la deuxième partie vient « Wa anta arhamar rahimin » Lorsque même jusqu'à ses propres frères finissent par lui dire « En fait, si le mal te touche, c'est parce qu'en fait, Dieu ne t'aime pas. » Il lui dit « Non, moi je me retourne vers Dieu et je sais à ce moment-là que c'est lui qui est le seul capable de m'aider. » C'est-à-dire que je mets un sens sur ma souffrance. Je sais et je me retourne vers le sens de ma vie. J'y réfléchis à ce moment-là. Au moment où le mal me touche, j'y réfléchis. Et ça fait écho avec un magnifique verset du Coran qui nous dit la chose suivante. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire « nous croyons » sans que nous les éprouvions ? Bien sûr qu'on les éprouvera comme on éprouvera ceux qui les ont précédés. Ça veut dire que Ayyoub alayhi salam a eu l'intelligence de comprendre ce qui lui arrivait et la spiritualité pour dépasser ses incompréhensions parfois intellectuelles. Quand l'émotion pourrait prendre le dessus, il réfléchit spirituellement à ce qu'il pourrait apporter comme solution. Il y réfléchit et donc il économise son temps. Il n'est pas dans la plainte, c'est tout le contraire de la plainte. Mais qui après les prophètes, qui après les envoyés ont pu faire ça dans nos vies ? Qui donc on pourrait encore prendre comme exemple ? Si ce n'est les artistes, les peintres, toutes les grandes personnes qui ont pu transformer les émotions et les transmettre aux autres. Parce qu'en fait, ils sont capables de transformer leurs blessures en œuvres d'art. Exactement comme Van Gogh a fait avec ce magnifique tableau « Nuit étoilée sur le Rhône » qui est exposé au musée d'Orsay.
cette magnifique toile qui montre et qui me fait toujours penser à ce que Ali karamallahu wajha disait. N'emplis pas et ne remplis pas ton cœur et ton esprit d'anxiété et d'angoisse. N'est-ce pas dans les nuits les plus sombres que les étoiles brillent le plus ? Il dit, même lorsque parfois tu penses que toutes les portes sont fermées, il se peut qu'il y ait toujours une fenêtre d'ouverte. Et même lorsque tu penses que tu noies dans l'obscurité, il se peut qu'il y ait toujours une petite lueur à laquelle tu pourrais te raccrocher. Et ça, c'est magnifique. C'est une transformation même de sa souffrance, une transformation de son émotion en quelque chose de beau. Exactement comme disait Baudelaire, « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » C'est-à-dire qu'il transforme les choses mauvaises en choses bonnes et en mettant une distance entre nous et notre traumatisme, on est capable d'être des personnes, une des personnes les plus créatives au monde. Mais quand on entend nous dans nos sources, même dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Inna hadha al-Qur'ana nazala bihuzn » Ce Coran-là, il est descendu avec de la tristesse. C'est qu'il y a une beauté dans la tristesse. Il y a une beauté dans cette nostalgie. Il y a une beauté dans le fait de penser que oui, on va se séparer un jour. Oui, on va se séparer un jour. Mais quand on réfléchit que même dans nos invocations, ensuite on demande à Dieu « Allahumma inni as'aluka an taj'al al-Qur'an al-Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina. » Mon Dieu, je te demande de faire du Coran le printemps de mon cœur et la lumière de ma poitrine, et qu'il dissipe mes peines et mes souffrances. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? C'est-à-dire que ce courant-là qui est descendu avec de la tristesse, on l'utilise contre la tristesse, parce que le problème n'est pas l'émotion, le problème est dans la persistance de cette émotion, dans la malgestion de cette émotion. Là est le véritable problème. Et lorsqu'on a le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui est la personne en fait, qui est responsable de tout ce concept de résilience, lorsqu'il nous dit qu'effectivement, il y a des statistiques qui nous prouvent que lorsque les personnes ont vécu des traumatismes, les enfants lorsqu'ils ont vécu des traumatismes, et qu'on fait leurs statistiques et qu'on se rend compte que dans 80% des cas, lorsque les enfants grandissent et qu'ils ne trouvent pas dans leur entourage une source d'inspiration, lorsqu'ils ne trouvent pas un environnement propice au fait de se relever, ces personnes-là, dans 80% des cas, leur destin est détruit. Mais il dit quoi ? Il dit on inverse la tendance si ces personnes-là, ensuite, sont effectivement capables de trouver dans leur entourage des personnes qui vont leur permettre de se relever, ce qu'on appelle des tuteurs de résilience. C'est-à-dire qu'ils s'inspirent, ils sont capables de comprendre intellectuellement, ils sont capables de dépasser spirituellement. Lorsque ces personnes-là arrivent à se relever, ça donne des personnes comme Stephen Hawking, le grand physicien, qui dit cette chose magnifique. Dans son dernier film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Une merveilleuse histoire du temps, il dit cette chose magnifique. Rien ne doit limiter l'activité humaine. Aussi terrible soit la vie, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Écoutez bien le début de la citation. Rien ne devrait limiter ton activité humaine. Lui qui est paralysé, qui a une sclérose latérale amyotrophique, lui qui a une maladie particulièrement handicapante, il dit rien dans ta vie ne devrait te paralyser. Même si physiquement tu l'es, intellectuellement tu ne le seras pas, spirituellement encore moins, si tu est capable de puiser à l'intérieur de toi, d'emmagasiner l'énergie, des coups que tu reçois dans la vie, pour ensuite mieux les retransmettre. Mais écoutez aussi, cette citation fait vraiment écho avec un verset du Coran magnifique. Dans Sourate al-Mulk, lorsqu'il nous est dit « Ba'da a'oudu billahi minash shaitan irrajim, bismillahir rahmanir rahim, alladhi khalaqal mawta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. » Il a créé la mort et la vie pour savoir qui d'entre vous agira le mieux. Ça veut dire que devant l'épreuve, il y a l'action. Il y a le fait de se relever. Ce n'est jamais dans la passivité que tu pourras te relever. Jamais. C'est toujours dans l'action. Mais cette chose aussi magnifique dans ce verset qui nous rappelle, il a créé la mort et la vie. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver dans la vie une force de se relever et finir toujours par comprendre que même après la mort, il y a la vie. Même après la mort, il y a la vie. Et le tableau de Turner nous symbolise bien ça. Turner, qui est un grand peintre et qui dessine ce tableau qui est en fait le navire d'un guerrier qui revient de la bataille de Trafalgar et qui dit en fait notre vie, il s'identifie à ce guerrier qui revient de la guerre plein de gloire. Il dit tu peux vivre ta vie avec de la gloire et tout ce que tu veux, tu finiras par arriver à port. Mais tant que tu n'es pas arrivé au port, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu pourras toujours te relever, toujours, tu pourras toujours te relever dans la vie. Alors soyez comme ce phénix, qui certes est imaginaire, mais n'est-ce pas dans l'imaginaire que l'on puise la force de la créativité ? Soyez comme le phénix, qui même de ses cendres renaît. Merci beaucoup.